Lorsque la Grande Armée de la République fut créée sur Camino pour l'ancienne République, elle fut divisée en de nombreux corps afin de rendre son déploiement plus aisé. Avec l'avancée de la guerre des clones, des corps spéciaux furent créés et d'autres furent considérés comme des corps d'élite, de par leur combativité et leur ancienneté. Ce fut le cas du 327e corps stellaire. Ce corps composé de 4 légions, soit 36 864 hommes, entra de plein pied dans la guerre des clones, durant la bataille de Geonosis. Après quoi, il continua à servir l'ancienne République, jusqu'à l'avènement de l'Empire Galactique. Le 327e était dirigé par le commandant maréchal Bly et faisait partie de la 2ème armée de secteur. La redoutable efficacité de ce corps lui permit de devenir l'un des plus réputés et gagna à juste titre son nom de corps d'élite. Son pseudonyme de corps stellaire lui vint du fait qu'il passa quasiment toute la guerre à aller d'une étoile à l'autre, dans la bordure extérieure, sans jamais rester au même endroit très longtemps. Mis à part Bly, ce corps connut d'autres héros clones, comme Gal ou Davis. Ce dernier devint l'archétype même du clone survivant que rien ne pouvait abattre. D'abord chef de la compagnie K, Davis fut élevé au rang de commandant du 327e par Bly. Lui-même avait été élevé au rang de commandant maréchal, la plus haute distinction que un clone pouvait atteindre. En plus de son statut, le 327e se distinguait des autres corps par leur marquage jaune et orange qui se trouvait sur leurs armures, et le port par tous les soldats du Kama mandalorien et des épaulettes traditionnelles du commandement. Il s'agissait là d'un fait unique, car seuls les soldats Ark, puis quelques commandants qu'ils avaient entraînés étaient autorisés à porter ces deux attributs. Peut-être fallait-il voir là l'immense fierté de Bly pour ses hommes, les considérer comme de vrais soldats mandaloriens. Le 327e fut placé durant la guerre sous le commandement de la Jedi Alia Secura. En général, les corps placés sous la direction d'un Jedi siégeant au Conseil des Jedi étaient parmi les plus importants de l'armée. Ce qui démontrait donc l'intérêt du commandement de la République pour ce corps. Bly mena ses hommes dans de nombreuses batailles à travers la guerre des clones, en plus de celle de Geonosis, les plus notables étant Onogre, Endor, Drumunkas, Sallokami ou encore Felucia. Alia Secura et le 327e avaient été envoyés sur Felucia vers la fin de la guerre pour aider la Jedi Bari Sophie, qui avait disparu en tentant de stopper la séparatiste Jun Mail, présidente de la Guilde du Commerce. Bien que cette dernière ait pu s'enfuir sur Mustafar, Barriss furent retrouvés et les séparatistes furent écrasés par les clones. Hélas, quelques temps après, alors que Ayla et le commandant Bly patrouillaient sur Felucia avec quelques soldats, l'Ordre 66 parvint au commandant clone, via une connexion cryptée. Prenant la Jedi totalement par surprise, Bly et ses hommes l'exécutèrent par plusieurs tirs de blaster, ne lui laissant aucune chance de s'en sortir. Par la suite, le 327e continua probablement à servir l'Empire, comme put le faire la 501e Légion par exemple. Sur ce, cette vidéo est actuellement terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez déjà la chanson, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est très important pour moi. Vous êtes très nombreux à le faire et nous approchons petit à petit des 400 abonnés. Franchement, merci à vous. Nous avons dépassé un nouveau stade et bien franchement, je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur. Continuez à le faire, vous êtes incroyables et nous sommes incroyables, hein. Voilà, c'est grâce à vous tout ça, donc je tiens encore une fois à vous remercier. Bref, sur ce, j'attends vos avis dans les commentaires, et sur ce, moi je n'ai plus grand chose d'autre à vous dire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, et surtout, n'oubliez pas que la force soit avec vous. La bise tout le monde.